Hé, Gustave! Quoi encore? Je me posais la question. Oui, Michel! Les feuilles, quand elles tombent, est-ce qu'elles vont au paradis des feuilles? Alors, Michel, avec tout le respect que je te dois, ta gueule! Mais... Non, ta gueule, tu la fermes. Parce que les questions débiles, je suis indulgent, je les supporte. Mais là, tu m'exaspères. Mais pourquoi? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on s'en fout des feuilles? Il y a des problèmes plus importants dans la forêt. Les branches? Non, pas les branches, Michel. Bah pourtant, à part les branches et les feuilles, les problèmes se bousculent pas trop ici. Je te parle du lierre, Michel. Quoi, le lierre? Bah, t'as pas remarqué? Il y en a de plus en plus. Ouais, bah, ça pousse, quoi. Ouais, mais regarde, ils envahissent tout. Tu te souviens de Bob, il y a 10 ans? C'était un tronc magnifique. Maintenant, regarde sa gueule. Ouais, c'est pas faux. Je vous entends, les gars. Bah, tu devrais avoir honte, Bob. Elle va où, la forêt? Hein? C'est ça que tu veux laisser à tes petits arbustes? Oh, mets-toi de ton cul, Gustave. La forêt appartient autant au lierre qu'à toi. Ouais, il a raison. Va le faire enculer, ça, l'arbre. Oh, j'aurais pas aimé. Quoi? Tu m'insultes pas, saloperie de lierre. Ah ouais? Bah, viens de battre. Non, toi, viens de battre. Non, toi, tu viens de battre. Non, toi, tu viens de battre. Toi, viens de battre. Bah, viens. Alors? On grimpe partout, mais on n'a pas les couilles de venir m'affronter, hein! 5 ans! Je vous donne 5 ans pour recouvrir ta sale face de chaise! Non, mais t'as vu comment ils sont agressifs? On peut même plus discuter calmement! C'est toi qui as commencé, Gustave, hein? Ouais, mais il me pour plaire! On peut pas tourner la tête sans tomber sur ces abrutis! Et me dis pas que j'ai pas de tête! T'as très bien compris ce que je veux dire! Je te sens un peu à cran, Gustave. Tu devrais prendre des vacances! Je vais faire mieux que ça. Je vais me barrer de la forêt. Comme ça, vous serez bien contents. Pour finir arbre domestique comme ton cousin Albert. Salut! Putain, mais tu vaux mieux que ça, Gustave. Puis on vaut tous mieux que ça, d'ailleurs. Franchement, regardez-nous. Est-ce qu'on pourrait pas faire un rêve commun pour une fois? Voir l'avenir à travers un même regard. Et ensemble nous grandirons pour une forêt plus forte et plus belle que jamais. Et on dominera le monde. Ouais. Mais ah, rien à voir. Bien joué, Michel. On va bien les niquer, ces humains. Non mais arrêtez. Marre les déchets. Marre les tractopelles. Écoutez-moi. Attendez, les gars. Le prophète veut nous dire quelque chose. C'est bien qu'on soit unis. Mais les humains n'ont rien à voir dans tout ça. Maman! Aucun respect! Michel! Enfoiré d'humain! Ouais! Michel, Gustave, je suis pas sûr que les feuilles aillent au paradis des feuilles. Salut! Si vous aimez les arbres, que vous êtes écolo ou que vous voulez rejoindre le CDV, le comité de la domination végétale, vous pouvez appuyer sur le petit bouton là, vous vous abonnez à la chaîne et puis ça se passera bien. On mangera des pot-au-feu, on fera de la corde à sauter, on lira du Flaubert, enfin, tout ce que vous voulez.